بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. On va voir maintenant ce qui est plausible et ce qui est faux à propos de la vie de Jésus-Christ, la vie d'Allah soit sur lui. Ce qui est vrai, c'est qu'il est le fils de Marie, que la vie d'Allah soit sur lui. Ce qui est vrai, c'est qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Ce qui est vrai, il est venu pour purifier le temple des faux dévots juifs. Ce qui est vrai, il a voulu que chacun ait son, tous ses droits, même si c'était César. Donc, les vérités, les miracles, comment il a traité les paralytiques, les lépreux, l'enfant épileptique, etc., etc., ce sont des miracles qui sont bien, comment dirais-je, sont cités, pas comme ça, en énuméré et précisé dans le Coran. Donc il y a eu des miracles. Et à chaque prophète, que la paix d'Allah soit sur eux, il y a des types de miracles bien déterminés. Il a été la cause de la résurrection de certains morts, etc. Les miracles du pain, multipliés. Le miracle prophétique, que le tombe va être détruit, etc. Ça, c'est. Mais ce qu'il faut, et en premier lieu, Dieu n'enfonce pas. Il n'a jamais été enfoncé. On ne peut pas recevoir cette tromperie-là. Comment Dieu sera enfoncé ou il enfonce? C'est impossible. Parce que Dieu, il est le créateur, il n'est pas dédié par le tout, pas de par son verbe et sa volonté. Il est l'unique créateur, il n'y a pas à discuter. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que Dieu a voulu que le prophète Jésus-Christ, que la fille d'Allah soit sur lui, ait une mission à deux temps. Un premier épisode, et les gens ne sont pas d'accord sur la vérité de cet épisode-là, et un second qui va venir avant la fin des temps. Ça, c'est bien cité dans le Coran. Donc, on a, quand on a ça, le boulet, je suis bien là. Donc, ils n'ont pas suivi vraiment notre maître Jésus-Christ, que la vie de la société. Il n'a pas été crucifié. Mais celui qui a été vraiment. Et puis, il y a une fausseté aussi, il y a un autre mensonge à propos de Judas. On dit qu'il a, il s'est suicidé parce que lorsqu'il a vu qu'il a trahi, il s'est suicidé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une fausse information. Judas a été maltraité de la part de Dieu parce qu'il a irrité le courant divin. Parce que lorsqu'on donne sa promesse à Dieu et à ses confrères pour mettre que la paix d'Allah soit sur eux, il faut être vraiment intègre, il faut être honnête, il faut persister dans cette promesse-là. Il ne faut pas trahir. Et lorsqu'il a trahi notre maître Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, Dieu a voulu qu'il doit être châtié comme ici-bas avant le droit. L'être de l'individu qui a été crucifié, qui a subi la passion à travers Jérusalem, c'est Judas. Donc, rectifiez vos tirs, ayez la sagesse de bien étudier vos mensonges, ça ne marche pas. La Trinité, ça ne marche pas, ça ne confirme pas, mais elle détruit. Honnêtement, si les chrétiens sont mariés, c'est parce que vous avez, vous, les gens de l'Église, vous avez impliqué à ces gens-là des balivernes qui ont mal construit leur personnalité, qui étaient anxieuses et même déprimées. Donc, revenez à la réalité des choses. Il y a le Coran qui est véridique, il y a le Coran qui ne peut pas être lésé, qui ne peut pas être défiguré.
Allez-y, étudiez-le. Nous les gens du Coran, nous sommes vos serviteurs, si vous voulez bien. Sinon, c'est tant pis pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.